groupe des requins menée par Sonia Sommers, trois fois championne du monde de ski nautique. Les soldes de l'année dernière, quelle épreuve! Clover a failli s'évanouir dans la cabine d'essayage tellement elle était déshydratée. Je comprends pas pourquoi on distribue des bouteilles d'eau pendant le marathon et pas pendant les soldes. Faire les boutiques, c'est aussi une épreuve d'endurance. Ah, Alex! Ah, désolé Clover, j'y peux rien. C'est pareil, à chaque fois que j'aperçois Troy, je le trouve tellement mignon que j'arrive pas à détacher mes yeux de lui. Cette semaine, ne ratez pas le bayou de Troy. J'imagine que c'est un garçon merveilleux et qu'il n'y a pas mieux que lui au monde. Bah et alors, quel mal y a à ça? Tu confonds les rôles qu'il joue avec ce qu'il est. Non, lui, il est génial. Mais je suis pas la seule à le penser. Il a la réputation d'être le plus adorable et le plus séduisant garçon de la Terre. Ouais, c'est ça. Coucou, on est là, redescend parmi nous. Je comprends que vous ayez du mal à me croire. Mais si on avait la chance de rencontrer Troy, vous aussi vous tomberiez sous son charme. Vous verriez à quel point il est fantastique. Hé, c'est quoi ce bruit? Se faire whooper pendant les plus grandes soldes de l'année. Alors les filles, on est frénétiques au point de tomber la tête la première dans le bac de vêtements. Très drôle, Jerry. J'espère que vous nous avez pas fait venir pour laver votre linge. Nous avons appris la mystérieuse disparition de plusieurs athlètes de très haut niveau. Avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé, Jerry? Nous avons la chance d'avoir un témoin, un pilote qui courait en Floride. On voit toujours le même éclair bleu autour des sportifs à l'instant où ils disparaissent. Mais le pilote, lui, n'a pas disparu. D'où la nécessité de votre intervention. Votre mission consistera à vous rendre en Floride pour assurer sa protection et tenter d'élucider cette affaire. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Ces combinaisons gris métallisées existent en taille 38? Voici les gadgets dont vous disposerez pour cette mission. La très performante vidéocam électromagnétique. Les pendentifs à saphir holographique. Ensuite, les lunettes à microscope rétractables pour cerner les indices invisibles à l'œil nu. Et des ceintures à réalité virtuelle pour les déguisements improvisés. En appuyant sur un bouton, on peut passer directement du stade au lycée, puis au bal de fin d'année. Génial! Autre chose, pour vous conduire en Floride, je mets James à votre disposition. On prend les en soin. James, c'est votre chauffeur? J'espère qu'il est mignon et qu'il aime faire les boutiques. Désolé de vous décevoir, James ne sont que les initiales de Chip Automorpho Énergie Statique. C'est moi qui l'ai baptisé, enfin, je veux dire appelé comme ça. Moi, monter dans cette horreur, pas question. Rassurez-vous, les filles, James est actuellement en mode de camouflage. Il se transforme en n'importe quel véhicule roulant sur commande vocale. Allez, il est temps de prendre la route. Chance, les filles, ou comme on dit au Japon, quand on voit un euro. Change ce vieux break familial contre une voiture plus sport. Mode sport. Ah, il est surprenant ce James. Il commence vraiment à me plaire. Quoi? Qui vous traitez de groupie? Écoutez-moi bien, mademoiselle. Je suis... Oh là, je rêve. Quelle grossièreté. Devinez quoi? Le studio refuse de nous inviter à l'enregistrement de l'émission de Troy. Chut, n'oublie pas qu'on est censé être journaliste. Sois professionnel. Monsieur Parks, nous sommes reporters au magazine Jeune Pilote. Soyez un ange, dites-nous ce dont vous vous souvenez à propos de l'incident de l'autre jour. En fait, je ne me rappelle pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu un éclair bleu qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture. Et j'ai failli percuter ce photographe. Ah oui, quel photographe? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à moto. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. J'ai une séance photo dans 5 minutes. Est-ce que vous pensez la même chose que moi, les filles? Bien sûr, ça saute aux yeux, ce Dale Parks ressemble à Troy. Alex, arrête! Je pense qu'il est possible que le photographe dont il nous a parlé soit mêlé à cette histoire. Venez, allons voir sur la piste si on trouve des indices.
Une chose est sûre, s'il y est pour quelque chose, il a fait en sorte de ne laisser aucune trace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste à côté de Dale pendant la séance photo et on ouvre l'œil en espérant que l'homme à la moto se montrera. J'ai une meilleure idée. Je reste à côté de Dale pendant que vous, vous cherchez le motard en question. Ça a toujours été mon rêve d'être un paparazzi. Sam, regarde! Cette bombe lacrymogène est une diversion. Clover, surveille Dale. Il est toujours là. Hé, hey, j'ai un problème avec la vidéocam. J'arrive plus à faire le point, Dale est flou. C'est un danger public, ce type, il est malade. J'aimerais bien savoir qui c'est et ce qu'il a fait à Alex. Oui, c'est ce qu'il va falloir trouver. L'améliorer. Ça attendra un peu. Ce qui est urgent, c'est de savoir ce que sont devenus Alex et Dale. Allô? Au secours! Où t'es, Alex? On m'a catapulté sur une espèce de circuit automobile au milieu d'un désert vraiment très bizarre. Ah, mon crâne poudrier! On a de la compagnie! Il vous reste deux vies. Alex, fais quelque chose. Rétablis le contact. Laisse, c'est inutile. Regardons l'enregistrement vidéo. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Tu as vu? Le vidéocam a capté le rayon bleu émis par le motard. On est fixé sur un point. Maintenant, on sait pourquoi Dale n'a pas disparu la première fois. Sa combinaison métallisée a fait dévier le rayon. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà pourquoi elle me plaisait bien, moi, cette combinaison. J'appelle Jerry. Il faut l'informer de cette découverte. Bonjour les filles, alors comment se passe cette mission? Pour l'instant c'est pas une réussite, Alex et Dale ont été kidnappés. Kidnappés? Mais c'est dramatique, que puis-je faire? La vidéocam de Clover a filmé le rayon électromagnétique qui a apparemment téléchargé Alex et Dale pour les mettre dans une sorte de gadget électronique sophistiqué. Une machine capable de télécharger les humains, voyons ça, il me semble avoir entendu parler de cela il y a quelques années. Ah oui, une créatrice de jeux vidéo qui prétendait avoir inventé un appareil de ce type. Ouais, voilà, j'y suis, il s'agit d'une certaine Carla Wong, plus connue sous le nom de Lady Dragon. Pour une fois, on n'a pas affaire à un savant fou qui en veut au monde entier, ça varie les plaisirs. La base de données indique que Lady Dragon aurait quitté l'industrie du jeu vidéo parce qu'on aurait refusé de commercialiser certaines de ses créations un peu particulières. Pas étonnant, mais comment faire pour retrouver Lady Dragon? Vous pouvez toujours suivre le signal du compoudrier d'Alex pour localiser la puce, elle est indestructible. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Le signal mène à cet hôtel là-bas. Allons-y. J'espère qu'ils ont des toilettes, au moins. Voilà encore une option que Jerry pourrait ajouter à James. Je lui dirai. C'est là que se tient
tient le salon du jeu vidéo? Il devrait l'appeler le paradis des intellos. Je crois que le terme exact est des passionnés de l'informatique. On monte, Clover. Le signal vient des étages. Il conduit à la chambre 112. Regarde, c'est la combinaison du motard criminel de tout à l'heure. Oh, je peux vous aider, mesdemoiselles. Bonjour, madame. Enfin, je veux dire Lady Dragon. On adore vos jeux vidéo. Vous avez devant vous vos plus grandes fans. On est fans. En fait, on se demandait pourquoi vous aviez arrêté d'en créer. Parce qu'ils étaient trop révolutionnaires pour certains esprits étriqués. J'avais de l'avance sur mon temps. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle ligne de jeu. Elle prouvera à mes détracteurs qu'ils ont commis une grosse erreur. Attendez-moi là une seconde. Je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. Depuis le circuit automobile, elles sont dangereuses. Dites à tout le monde de les surveiller de près. Je ne permettrai à personne de contrecarrer mes plans. Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le moment est bien choisi pour contempler une affiche? Clover, c'est une publicité pour le nouveau jeu de Lady Dragon. Ça doit être le désert dont Alex nous a parlé. Oui, Sam en a tout l'air. Viens, il faut qu'on assiste à cette réunion d'investisseurs. Désolé, on n'entre qu'avec une invitation. Tu m'as mal regardé, mon pote. J'ai pas l'air d'être une investisseuse potentielle. Dis donc, elles correspondent au signalement des filles que Lady Dragon nous a dit de surveiller. Ça vous serait passé. Ces ceintures à réalité virtuelle sont géniales. Ça, c'est du gadget. Je ressemble à quoi? J'hésite entre mannequins pour des implants capillaires ou pour des perruques. Mon nouveau procédé pour améliorer la réalité virtuelle du jeu est si performant que vous aurez l'impression de manipuler des personnages en chair et en os. Tu entends ça? C'est la voix d'Alex. Ça veut dire qu'Alex et Daïl sont dans le jeu. C'est génial. Évacuez la salle. Cette petite démonstration suffira à aiguiser leur appétit. De plus, il faut qu'on retourne rapidement à l'entrepôt pour télécharger de nouveaux sportifs et commencer la production de masse. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il faut avertir Jerry que Lady Dragon s'apprête à télécharger de nouveaux athlètes. Et qu'est-ce qu'on fait pour Alex et Dale? Hé, hey, vous deux! Que personne ne s'approche de mon jeu. Montez la garde. Vite! Il faut les sortir de là. Je vais essayer de trafiquer le système. C'est Alex! Reste bien derrière moi. D'accord, avec plaisir. Mauvaise nouvelle, nos batteries sont à plat. Comment on va faire? Mes deux plus grandes fans. Nous savons que vous avez kidnappé des sportifs de haut niveau pour les télécharger dans vos jeux, Lady Dragon. Et nous sommes là pour vous arrêter. Malheureusement pour vous, personne ne peut plus rien contre moi. J'ai déjà programmé la production en série. Et quand je l'aurai lancée, tous ces athlètes seront multipliés à des milliers d'exemplaires. Et ils seront à tout jamais prisonniers de mon jeu. Emparez-vous d'elles. Pourvu que nos saphirs holographiques fonctionnent. Il faut qu'on file d'ici, Sam. Ne restez pas planté là, ramenez-les-moi. Oh, trop tard. Pas de ticket, pas de trajet. Arrêtez-les. Trouvez l'entrepôt de Lady Dragon au plus vite pour l'empêcher de télécharger d'autres athlètes. Vite, abritons-nous dans cette petite impasse pour appeler Jerry. Jerry, il nous faut l'adresse de l'entrepôt de Lady Dragon. C'est urgent, faites vite. J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai aucune information. Allez voir sur les quais, les filles. Mais bien sûr, on aurait pu y penser. On est bêtes, les entrepôts sont toujours sur les quais. Où on avait la tête, Sam? Merci, Jerry. Je ne sais pas qui vous êtes, mais puisque vous tenez à mettre votre nez dans mes affaires, allez-y! On est en train de disparaître!
été championne de ski nautique. Écoute, c'est pas trop le moment là, hein. Regarde ce qui arrive. Mais elle a dû avoir un court-circuit dans les neurones, cette Lady Dragon. Et ça a dû lui endommager sérieusement le cerveau, regarde. On va finir en appât pour requin. Accrochez-vous et faites comme moi, c'est parti. Elles reviennent à la charge, mais avec des copines cette fois. Utilisons nos ressources, vite Alex, enfile une combinaison métallisée. Hein, quoi? La ceinture, déguise-toi. Ça marche. Sam, t'es un petit génie. Oh, arrête, c'était pas très compliqué. Il suffisait de penser à la combinaison de Dale. Le champ électromagnétique est dévié par les surfaces réfléchissantes. C'est vrai, t'as raison, c'est évident, suffit à d'y penser. Bon, en route. Direction l'entrepôt de Lady Dragon. Attendez, j'ai oublié de donner mon numéro de téléphone à Dale. Oh. Allez, viens, dépêche-toi. C'est le match de basket le plus bizarre de toute ma vie. Ouais, je trouve aussi. Où sont nos supporters? Désormais, vous devrez vous passer de leur hurlement enthousiaste. Encore vous, Lady Dragon? Il me semblait pourtant vous avoir dit il y a quelques mois que je ne voulais pas sponsoriser vos jeux vidéo débiles. Ouais, moi pareil. Moi, silence, je ne vous demande pas votre avis cette fois, j'agis. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment on aurait fait sans ce bon vieux James. Malgré ce bon vieux James, on arrive trop tard. Le téléchargement est déjà en cours. Il faut les sortir de là. Je vais les suivre. Moi, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour sortir du jeu, mais tu vas y retourner vite fait, pour de bon. J'y vais et je reviens en un éclair. Nous, on va s'attaquer au système de téléchargement et le mettre en pièce. Attention, Sam. Continuez à vous entraîner. J'ai une idée. Si on orientait les canons à rayons les uns vers les autres, ils se téléchargeraient mutuellement. On essaie? Occupe-toi, Sam. Je vais détourner l'attention de Lady Dragon. Vous avez du courage, jeune fille. Et je déteste les filles courageuses. Dépêche-toi, Sam. Je vais pas tenir très longtemps comme ça. Il pèse au moins une tonne, ce machin. Vous avez envie de jouer? Vous n'en aurez pas le temps. Je viens juste de modifier le programme. Pourquoi attendre davantage? C'est maintenant que commence la reproduction en série des athlètes. Joli travail, les filles. Oh non! Non, pas moi! Il faut reconnaître que c'est très gentil de la part de Jerry de nous avoir prêté James pour entrer dans les studios sans encombre. Et c'est une chance qu'on ait trouvé ces batteries de secours pour nos ceintures à réalité virtuelle. J'arrive pas à réaliser que je vais vraiment voir Troy. Salut les filles, je suis Troy. Voilà pourquoi Troy est aussi parfait. C'est un produit informatique. Il était trop beau pour être vrai. Je suis désolée pour toi, Alex. Je comprends que tu sois déçue, mais je sais où tu peux le rencontrer si tu veux. Non, laisse, j'en ai marre des univers virtuels. Ce n'est rien, je suis Steve, le programmateur et le créateur de Troy. Oh, c'est vrai, moi je m'appelle Alex. Tout ça s'annonce bien.
bien, ça a l'air de se programmer à merveille. Je t'en prie, évite de parler de programme pendant un certain temps. Fini le langage informatique. Je suis dans l'aile est, rien à signaler. Terminé, mais... Hé hey, 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 qui est là? Oh. Attention, code rouge, je répète, code rouge. Comme l'impression qu'un nuage noir vient d'assombrir notre belle journée. Ah bon? Dommage. Je trouve pas mal ton nuage. Pas mal? Alex, ce garçon est un gros nul, un vrai boulet, crois-moi. Il m'a martyrisé pendant des années. Il passait son temps à me harceler. Il me tirait les couettes, il me collait des papiers dans le dos. Et il ferait des vers de terre dans mes spaghettis. Bah allez, oublie tout ça, c'est du passé. L'école primaire, c'était il y a longtemps. Il a dû changer. C'est vrai, Clover, les gens changent. Oh, tu parles. Je suis sûre que c'est toujours le parfait idiot que j'ai connu en CE2. Et puisque je l'ai sous la main, je vais tout de suite aller lui dire ma façon de penser, cette espèce de grosse brute. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Robbie Guthrie? Clover? J'hallucine, Clover, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, la seule et unique. Tu peux arrêter de baver maintenant, c'est dégoûtant. Désolé, c'est le choc. Non mais c'est vrai, ça, t'es carrément plus mignonne qu'à l'école primaire. Toujours à faire des blagues. Je suis très sérieux. D'ailleurs, pourquoi on ne sortirait pas ensemble, toi et moi, ce week-end? On pourrait aller voir un film et refaire connaissance. Je sais pas trop. S'il te plaît, ce serait l'occasion de me faire pardonner pour toutes les tortures que je t'ai infligées. Laisse-moi y réfléchir. C'est d'accord, je suis partante. Génial, je t'appelle très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de sortir avec Robbie. C'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais tu as raison de tirer un trait sur le passé. Moi? Tirer un trait? Jamais de la vie. Si je sors avec lui, c'est uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait subir. Il va comprendre sa douleur, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon, comment est-ce que je vais m'y prendre? J'espère que c'est important. La vengeance est un plat qui se mange froid, d'accord, mais pas moisi. C'est en effet de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de détruire toutes les centrales électriques. Mais dites donc, c'est très grave, ça! Je ne vous le fais pas dire. Outre le barrage de Hoover, nous avons également perdu plusieurs centrales thermiques et nucléaires. Non, ce qui est très grave, Jerry, c'est que vous écoutiez en cachette notre conversation. Il n'y a pas de quoi être fier! Des millions de personnes seront bientôt privées d'eau et d'électricité. Le chaos le plus total règnera dans les rues. Et je n'écoutais pas votre conversation, hein. Je l'ai entendu par hasard. D'après vous, qui est derrière tout ça, Jerry? Nous avons encore une autre piste. Mais nous ferions mieux de nous activer, faute de quoi les conséquences de cette crise pourraient s'avérer désastreuses. La prochaine cible devrait être l'oléoduc d'Amérique du Sud. C'est là que débutera votre mission, mademoiselle. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Envoyez les gadgets. J'allais y venir. Pour cette mission, vous disposerez du turbo sud du Whoop, de la nouvelle ceinture lance-filin Bungee en simili-croco, dernier cri, de lunettes de soleil à détecteur infrarouge de chaleur et de mouvement, et d'un tube de bouge à lèvres hydratant pour peau sensible. Vous voulez dire rouge à lèvres? Non, j'ai bien dit bouge à lèvres. Le tube contient un dispositif de pistage intégré. Fantastique! Prête pour l'aventure? D'après ce radar, on ne devrait pas être loin de l'oléoduc. Ça y est, je crois
qu'on vient de le trouver. Sans blague, et moi qui pensais bêtement qu'on avait heurté un serpent de mer géant. Rien de palpitant, ce n'est qu'un gros tuyau. On ne sait jamais. Il vaut mieux l'examiner. Bon, restez à l'affût du moindre détail anormal. Oh, à ton avis, ça compte, ça? C'est quoi cette chose? On dirait une espèce d'araignée. Capturons-la, on sera fixés. C'est une bombe! Quelqu'un essaie de faire exploser l'oléoduc! Ce quelqu'un est sur le point de réussir! Pas si je peux l'en empêcher! Non, attends! Si tu endommages l'oléoduc, c'est la marée noire assurée dans tout le Pacifique! Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé! Puisqu'on ne peut pas écrabouiller cette bestiole, on n'a qu'à essayer de la déplacer! Oh! Je suis peut-être allée un petit peu fort, là! Elle est prête à exploser. Accrochez-vous, ça va secouer. Voilà ce qui s'appelle tomber à pic. C'était très impressionnant. Toutes nos félicitations. Ah oui, sans vous, on était mal partis. Mais à propos, vous êtes qui? Je suis Pam. Et voici Alice et Crimson. Nous sommes des espionnes du WHOOP, l'organisation de protection internationale. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes de retour. Décidément, c'est trop beau pour être vrai. Donc, si j'ai bien compris la situation, avant, c'est vous qui occupiez notre poste. Jusqu'à ce que nous soyons capturés par l'ennemi lors de notre dernière mission. Et dis ça. Il nous a retenus prisonnières sur l'île du cratère pendant 7 ans. À en juger par vos tenues, j'aurais cru que cela faisait beaucoup plus longtemps. Quand vous avez disparu, nous vous avons cherché partout. Et après plusieurs années sans nouvelles de vous, nous avons pensé que vous étiez... Enfin... Vous comprenez. Nous sommes revenus à présent, Jerry. Et tout va redevenir comme avant, comme au bon vieux temps. Ah, j'espérais vous l'entendre dire. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Edison exactement? Nous avons réussi à nous échapper, mais malheureusement, on n'a pas pu le capturer. À l'heure qu'il est, il est peut-être n'importe où. Et comment vous êtes-vous retrouvés près de l'oléoduc? Mesdemoiselles, le devoir vous appelle. Cette fois, il s'agit d'une centrale hydroélectrique. On s'en occupe, Jerry. À vrai dire, ce serait l'occasion ou jamais de réintégrer Pam et son équipe, hein, connaissez-vous. Pourquoi ne pas partir en mission toutes ensemble? Bonne idée. Génial. Ouais, formidable. On va inspecter l'hydroaffuseur pendant que vous contrôlez le niveau inférieur. Elles m'ont tout l'air de bien connaître les lieux. Oh! Oui, allô? Salut, Clover, c'est moi. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir le nouveau film d'horreur samedi soir. Mais c'est quoi ce courant? Oh non, c'est rien. Je suis dans un salon de coiffure sous le séchoir. Ça marche pour le film d'horreur, j'adore. Rendez-vous au centre commercial vers 20h. Je te laisse à samedi. Ça y est, j'ai quelque chose en vue. Ah oui, moi aussi, vivement samedi. Désolée. Je déteste les araignées. J'aurais préféré une bombe coccinelle ou papillon, c'est plus mignon. Waouh, cet endroit est hallucinant, non? Oh zut, j'ai laissé filer la bombe. Désolée. Elle est là. Soit guère réjouissante. Malgré nos recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace des filles. S'il y a bien une chose que nous avons apprise avec vous, c'est que dans ce métier, il n'y a pas de place pour les faibles. Désormais, il ne vous reste plus que nous. Je sais que vous avez tout tenté pour les sauver. Maintenant qu'elles ont disparu, vous redevenez mon équipe numéro 1.
sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. Mon papa. En tout cas, on a de la chance d'être encore en vie. Et c'est sûrement pas grâce à nos copines. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Du moins, c'est ce que certaines personnes ont voulu nous faire croire. Il est temps de rentrer au groupe. Allez, venez. Ce fut un réel plaisir que d'avoir connu Sam, Clover et Alex. Non, ça ne va pas du tout, ça. J'ai eu l'immense privilège de connaître Sam, Clover. D'habitude, on attend la disparition des gens avant d'écrire leur éloge funèbre. Les filles, vous êtes en vie. Et prêtes à reprendre du service quand vous voudrez. Justement, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Vous êtes officiellement à la retraite. Mes anciennes espionnes ont repris leur place. Je suis trop jeune pour être à la retraite. J'ai même pas eu le temps de finir mes études secondaires, c'est vous dire. Ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir profiter de votre jeunesse. Tandis que la sécurité du monde sera confiée à Pam, Alice et Crimson. Il y a quelque chose de franchement pas clair chez ces filles. À quoi diable faites-vous allusion? Réfléchissez une minute. Qu'est-ce qu'elles fabriquaient à côté de l'oléoduc? Et comment se fait-il qu'elles connaissent si bien l'intérieur de la centrale? Ouais, je crois que je commence à y voir clair. Je sais où est le problème. C'est pas trop tôt? C'est évident, vous êtes tout simplement jalouse de mes anciennes espionnes. Oh, je ne vous en blâme pas, elles sont merveilleuses. Il se trouve que j'ai une confiance aveugle en ces trois jeunes filles. Puis-je vous recommander cet intéressant séminaire de retour à la vie civile? Quoi, nous? Jalouse de ces filles? Vous rêvez? Elles ne sont pas claires, Jerry. D'ailleurs, je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elles posent des bombes en ce moment même. Au contraire, elles sont actuellement en Europe de l'Est où elles aident à la reconstruction des centrales qui ont été détruites. Je leur ai distribué leurs gadgets et elles sont parties il y a 2 heures. Oh. Elles se portent toujours volontaires pour les missions humanitaires. Tout bien réfléchi, Jerry. Je crois que ce séminaire nous fera à toutes les trois le plus grand bien. Est-ce qu'on peut emprunter le jet du goût? Ma voiture est en réparation. Allez-y. Sam, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire à ce stupide séminaire? Pendant que ces trois pseudo-espions surgis du passé nous piquent notre place? C'est exactement la question que j'allais te poser. Mais réveillez-vous, ouais. Les Spies. Ce séminaire n'est qu'un prétexte. Quelque chose me dit que la mission de ces filles n'a rien d'humanitaire. J'espère seulement que Jerry leur a aussi donné un bouge à lèvres. Bingo! Bien joué. Il semblerait que nos rivales soient sur l'île du cratère, dans la mer d'Arabie. C'est pas là qu'elles disaient avoir été retenues prisonnières pendant 7 ans? Exact. L'ennui, c'est que l'île en question a été totalement dévastée par une éruption volcanique il y a 10 ans. Allons y faire un tour. Reconstruction de centrale électrique, tu parles. Cette île est un véritable désert. Ouais, t'as raison. C'est qu'un gros caillou moche sans le moindre intérêt. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si moche après tout. Ah ouais, c'est tout à fait le genre d'endroit où je resterai bien prisonnière pendant, disons, 7 longues années. Y'a quelqu'un? Oh, j'adore ce soleil qui ne se couche jamais. Ah ouais, rien de tel que des petites vacances après avoir fait sauter quelques centrales électriques. Vous les avez méritées, mesdemoiselles. Grâce à votre excellent travail, nous serons bientôt les seuls à pouvoir fournir au monde l'énergie dont il a besoin. Et ces minables espionnes n'ont rien pu faire pour nous arrêter. Pauvre Jerry, le niveau de recrutement du Whoop est en chute libre. Espèce de... Tu calmes, Clover. On a de la compagnie. Filons d'ici. N'oubliez pas qu'on a du métier, on joue pas dans la même cour, les petites. J'arrive pas à croire que des traîtresses comme vous aient l'audace de se faire passer pour des espionnes du Whoop. C'est vrai, ça? Vous n'avez pas honte? Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples, mesdemoiselles. Lorsque j'ai rencontré ces espionnes il y a de cela de nombreuses années, elles perdaient leur temps et leur talent à combattre pour la bonne cause. Alors, je les ai libérées au moyen d'un implant cérébrospinal électronique de modification du comportement. À présent, elles m'aident à défendre des causes bien plus lucratives. Oui, et moi qui croyais que les piercings au nombril faisaient mal. Pourquoi j'ai l'impression que vos causes manquent sérieusement de noblesse? Je vous laisse en juger. La moitié des centrales électriques que compte notre plan est déjà hors d'usage. Elles seront bientôt toutes réduites à l'état de ruines. Détruire pour le plaisir? Je ne vois vraiment pas où est l'intérêt.
Moi, je le vois, il est énorme. Des milliards de dollars d'intérêt. C'est ce que j'extorquerai au gouvernement du monde entier contre le droit d'utiliser l'énergie solaire. Quelle horreur, ces jeux de mots sont encore pires que ceux de Jerry. Une seconde, redescendez sur Terre, Einstein. Le soleil est gratuit. Oh, double erreur. Le soleil était gratuit. Et mon nom est Edison. Grâce à mon accélérateur orbital, je pourrais contrôler la rotation de la Terre et vendre des heures de soleil au plus offrant. À présent, il est l'heure de me rendre sur ma plateforme afin de lancer les enchères. Salut les novices, un séjour et sans rancune. Oh. Et surtout, ne nous en veuillez pas d'être plus performantes que vous. Oh, ne craignez rien, on a des tas d'autres raisons de vous en vouloir. On ne devrait pas avoir trop de mal à s'en sortir cette fois. D'habitude, les méchants nous abandonnent dans une situation désespérée. Je pouvais attraper mon com poudrier. Bonjour, jeune fille. C'est un réel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Jerry, on a besoin de votre aide. Une petite minute, vous ne faites plus partie du groupe. Hein? Et ce canal est exclusivement réservé à nos espions. Oh, quel toupet, celui-là. C'est le spray haleine fraîche à l'azote liquide. Heureusement que j'ai toujours sur moi un gadget de secours. Ah ! Et maintenant, les Spies, allons sauver le monde ! Je pense que la Russie a suffisamment profité du soleil. Mais ils ont payé pour 2 heures et n'en ont reçu que la moitié. Oh, les prix viennent d'augmenter. Qui plus est, je prendrai volontiers un bain de soleil maintenant. Non, encore ces petites bêtes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin qu'on change vos couches? Facile pour les petites nouvelles avec la technologie moderne. À mon époque, on n'avait que la tête et les jambes. Et c'était quand exactement? À l'âge de pierre? Oh, tu ferais mieux d'abandonner. Pas avant de vous avoir rendu votre copine. Elle est très gentille, mais un peu collante. Oh ah! Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'ôter cette créature de ma machine avant qu'elle le fasse tout exploser! Vous serez libre dans une seconde. Oh. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on fait sur une plateforme au milieu de l'océan? Oh, je me sens complètement ratatinée. Rien de plus normal après 7 ans d'engourdissement. Mais rassurez-vous, tout est fini maintenant. Oh, regardez, Edison s'enfuit. Il était un peu tôt pour prendre congé. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous convaincre de rester au bout? Désolée, Jerry, mais on a eu notre dose d'aventure pour toute une vie.
Par ailleurs, nous avons décidé de participer à la reconstruction des centrales. On ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu responsable. Ah, alors s'il vous plaît, dépêchez-vous de réparer celle de Beverly Hills parce que j'ai un rendez-vous explosif samedi soir. Oh. Merci pour votre aide et aussi pour tous vos conseils en matière de mode. Et excusez-nous pour toutes les méchancetés qu'on vous a dites. On n'était pas vraiment nous-mêmes, vous savez. Oh, on avait compris, ne vous en faites pas. Pas de soucis, on vous pardonne de bon cœur. Mais Jerry... En revanche, pour lui, c'est pas gagné. Non, t'es sérieuse? T'as décidé d'accorder à Robbie le bénéfice du doute? Parfaitement, je laisse tomber mes projets de vengeance. S'il y a une chose que j'ai apprise cette semaine, c'est bien que tout le monde peut évoluer un jour ou l'autre. Bien parlé, je suis fière de toi, Clover. Clover, coucou, je suis là. Salut, Robbie. Bon, on se retrouve tout à l'heure. J'ai gardé une place. Ah, merci, c'est gentil. T'es toujours autant rire ce genre d'idiotie. Finalement t'as pas changé. Après toutes ces années, j'avais presque oublié à quel point c'était facile de te piéger. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Sur Gulli.